moyens qui sont trouvés pour régler les problèmes. Des dizaines d'années que cela perdure sans aucune censure de la part d'État qui cautionne Babylone. Ne sont tranquilles, je te rassure, ils ne sont pas coincés entre les murs de cette malheureuse Afrique. Les méfaits du fric, la corruption, l'abnégation, ce sont de pauvres innocents qu'ils dégomment, qu'ils dégomment pour du pétrole. Je parle, je revendique le respect des droits de l'homme. La situation est critique et nous sommes complices. Qu'on nous le dise, on exploite, on pille à notre guise les biens qui ne sont pas les nôtres. Pas les nôtres, pas les nôtres. J'appelle à la révolution, qu'on leur établisse la justice. L'Afrique n'est pas en libre service. Qu'on leur fasse cesser tous ces sévices qu'on leur inflige depuis leur naissance. La vie n'a toujours pas pris de sens. Pas pris de sens. Pas les nôtres, pas les nôtres, pas les nôtres. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Mais comment tu veux rester posé? Posé. Posé. Mais comment tu veux rester posé? Ces pauvres hommes n'ont rien demandé à personne. Ils se retrouvent entassés dans des bateaux pour fuir l'oppression, la misère, la galère auxquelles on les soumet. Fallait quand même oser donner tous ses biens pour payer le voyage, leur famille. Ils l'ont quitté, croyant que de l'autre côté, le bonheur et le paradis les attendaient. La plupart crèvent une fois que le bateau chavirait. Le destin s'acharne encore une fois de plus sur leur sort. Ils ont quitté leur pays natal. Putain que ça fait mal, tout quitter pour trouver la mort au final. Le bonheur et le paradis les attendaient.